Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas, ce soir on est en live à 21h pour la cup, donc n'hésitez pas à venir ce soir 21h. Mettez une petite cloche, une petite alarme. À tout à l'heure. Salut à tous, c'est Nim, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une méga rampe. Wow. Et pas n'importe quelle méga rampe, parce que c'est une méga rampe créée par un abonné, hard apparemment. Et surtout, c'est une méga rampe obstacle et de la vache. Wow. Alors, les gars, si vous trouvez le chemin. Ah, parce qu'il y a un chemin. Ah oui, il y a un chemin. Obstacle, c'est méga rampe obstacle, donc en fait, je sais pas quel obstacle. Moi, ouais, je suis passé au-dessus du truc. Il a mis en partie. Je suis au-dessus du dirigeable. Oh. Oh, ça m'a retourné, c'est chaud. Parce qu'il faut assez d'élan en plus pour aller en bas là. Oh les gars, je suis. C'est quoi les obstacles là? C'est trop. C'est incroyable. Ça fait longtemps qu'elle a fait de méga rampe comme ça. Bah, Eden, je crois qu'elle a fait il y a pas longtemps, non? Je sais plus si c'était obstacle ou pas. Je. Non, je en tout cas, c'est incroyable, c'est oui, créé par quelqu'un. Que oui. Ça c'est pas mal. Moi personnellement, je me suis tapé des obstacles, je sais pas vous. Vous avez réussi à passer ou pas? Bah oui, moi je suis tout en bas là, ça y est, j'ai eu le point là. Ah. Pas du tout, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Ah ouais, pas mal le petit obstacle ici, je l'avais pas vu celui-là. Ah, waouh, mais tu sais que je fais des trucs de fou les gars. En fait, faut forcer. C'est une course pour la salle, regardez les premiers, c'est pas pour rien. C'est une course de forceur. c'est vrai que c'est une course de forceur, je suis d'accord. Personnellement, je force aussi. Je suis 14ème, alors on est 30 les gars dans l'activité. C'est méga, on pas 30 au passage. Ah oui, d'accord. Je me disais même que la dune n'avançait pas, mais. Lui, j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a demandé si tu faisais des vidéos avec une paille dans la bouche. Avec une paille dans la bouche, comment ça? Ouais, je suis d'accord. Parce que, en fait, souvent, dans les vidéos, tu fais... Bon les gars, je suis passé... Et on dirait que t'as une paille dans la bouche, genre vraiment. On dirait que tu bois en même temps. Effectivement, je suis rock, t'as un cocktail. Eh mais attendez, il y a des pneus crevés en fait là à l'entrée. Ouais, ça, bah ouais. Ah ouais, ouais bah, si pas tu passes à gauche, c'est bon. Donc c'est une méga rampe pneu crevé. Anune. Pas forcément. Si c'est ça, c'est ça. Bon allez Eden, c'est bon, j'avoue, je t'ai volé le concept. Non, c'est pas grave, non mais vas-y. Non, c'est vraiment, en fait, vu que c'est méga obstacle, t'as deux endroits, bah je viens de voir en fait, t'as deux endroits où t'as justement ouais. Des trucs pour crever des pneus là, des hertz, ouais. Mais sinon t'as pas. Ok. Moi je la fais entièrement aussi. Les pneus crevés. Du coup, c'est où pour pas crever ses pneus? À gauche tout ou à droite, à droite. Je crois. Tout à droite, tout à droite. Ouais, moi j'étais à gauche perso. En fait, sur en les fait, côtés c'est au quoi. C'est au milieu, je crois qu'il n'y a pas de. Ah, mais là, du coup, ouais, je suis là, je les ai crevés, crevés quoi. Oh la vache, les gars. Non. Okay. C'est bloqué là. Et il y a tout le monde qui est en train de saper des trucs, c'est abusé. Vous êtes combien de chaîne, la salle, t'es combien de chaîne? Premier. Ah, pas mal. Cinquième. Cinquième. Ah bah il donne avec moi, normalement. Ah bah non, c'est moi le cinquième. Oui, là, tu viens de passer devant moi. Alors, là. Juste hein, pour info, il y a un joueur qui sait pas piloter le Raiju et qui est en train de monter en mode stationnaire. Voilà. Je crois pas la salle. Si, si. Non, non, c'est pas possible. Pas après tout ça, pas après tout ce que t'as fait, pas après, non. Non, je vous crois pas les gars, il est où? Qui l'a recruté? C'est ça la question. Est-ce qu'il avait déjà lancé GTA? Il faut qu'on ait la question. Le mec est chaud quoi. Alors, on peut pas se taper le truc vu qu'il y a des obstacles. Waouh, il y a tout le monde qui a explosé ici. Oh non, j'ai pas pris le point. Mais tu vois que t'as pas pris le point. Bah, est-ce qu'il y a une carcasse d'avion qui a explosé? Oh là là, sérieux quoi. Non mais seriously quoi, seriously quoi. J'ai tellement oublié qu'il y avait des obstacles les gars que j'ai failli aller dans les trucs crevés. Ok, c'est bon, ça passe. Par contre le véhicule là j'aime bien parce qu'il est assez fluide et tout. Waouh, c'est trop tous les trucs les putes là. Ok, je suis quatrième la salle, mon objectif c'est de te rattraper. Ok man. Mais t'es vers où sur la rampe là? Parce que j'imagine que t'as le même véhicule que moi là, le petit 4x4. Là, je suis vers en bas. Vers en bas, ok. Ouais, t'as passé le looping et tout là. Ouais. Eh, Nune, tu sais que j'ai acheté un Monopoly, tu vois. J'aime bien le jeu du Monopoly. Et c'est un Monopoly GTA 5. Bah ouais, ça existe. Ouais.
Mais vas-y là, je suis bloqué. Moi. Mais non, mon truc il voulait pas se mettre, je me suis fait dépasser. Le. Il était en mode stationnaire, il voulait pas se remettre quoi. C'est trop chiant qu'il vole tout le temps comme ça, surtout dans une lancée en fait, je comprends pas le concept. Ouais. Ouais, c'est chaud. Par contre, je suis troisième les gars, et ça fait plaisir. C'est un peu chiant le fait de respawn par contre en mode stationnaire. Ça perd pas mal de temps, comme 10 secondes je dirais. 5-10 secondes et c'est chaud, parce que nous on a... Ah la salle, je le vois. Je suis en train de le voir la salle. Ouais, gars, là. C'est incroyable. Il est en stationnaire, hein. Il est en stationnaire. Mais donc... C'est qui? T'as son nom? Parce qu'il faut je qu'on aille pas, lui j'ai, parler. J'ai enlevé les noms des joueurs, on va écouter. What the fuck. Alors si quelqu'un peut voir son nom les gars, ce serait pas mal, il est en noir. La salle, t'as réussi à voir son nom ou pas du tout? Non, du tout. Ah ouais, tu sais que la salle, j'ai même pas d'élan, j'ai même pas assez d'élan avec la buggy, là, ça m'a refait tomber. Eh bah pareil, j'ai pas d'élan dans le looping. Mais on donc, l'a pas, on en a pas, du coup en fait on retombe de l'autre côté. Ouais. Et il y a un mec, il le sait parce que tu sais, il a fait quoi? Il est allé directement en bas. Ah, ok. Ah, fallait que même pas cherché à comprendre. Ok. Je suis troisième, les gars, je sais pas où est-ce qu'il est. Ah bah c'est toi la salle de deuxième. Non, mais premier. Ça triche! Il triche! Mais j'ai cramé quelqu'un triché! Non! Et toi là! Il fait ça! Quelle couleur? Regardez ce qu'il fait! Je sais pas, il y a quelqu'un qui triche! Il me semble il a fait que quoi? C'est... Attends, j'ai pris son nom. Le flèche du bas? Bon, ouais, je peux pas voir, il est un peu plus bas. Kojak, je crois. Hein. Je crois que c'est Kojak. Kojak, mais qui s'appelle Kojak dans l'activité? Oh ouais, j'avoue. Je sais pas, ça doit être un nouveau. On a recruté ce week-end. Non, mais Kojak, frérot, y'a pas. Ah si, y'a Kojak. Si, pardon, autant pour moi. Les gars, vous savez ce qu'il fait au looping? Tu fais quoi? Tu vois, au lieu de faire le looping. Tu sais, de faire le looping, quoi, tout court. Il s'arrête. Il revient en bas. Il s'arrête avant le looping et il prend la rampe, tu vois comment? Ce que Denis l'a dit. Bah après, oui, parce qu'en fait, en fait, moi je fais le looping, j'essaye, mais il y en a, oui, effectivement, je l'ai vu faire aussi. Ouais, mais lui il le fait, il triche quoi, c'est pas genre il a pas fait exprès, tu vois, il le fait vraiment. Nous, c'est parce qu'on a été, mais ça nous a fait tomber. Oui, quoi. Après, moi par exemple, tu vois, je l'ai vu tricher, ça m'a perturbé, donc du coup j'ai pas eu assez d'élan. Mais forcément, je suis d'accord, et c'est pour j'ai ça reculé. Que les. Ah non, mais je comprends. Mais par c'est contre, totalement lui, ça. Lui, les gars, il a triché, toi. C'est vraiment en flagrant délit. Le mec a été plus loin comme ça. Eh mais tu sais que ça vient d'où là l'expression en flagrant délit ou pas, Evin? Petite anecdote, voilà, comme ça vous dormirez moins bête. Bah, tout simplement, en fait, en flagrant, en fait, c'est un gars qui habitait en Inde. Ouais. À New Delhi, tout simplement, et du coup, bah, ils ont dit en flagrant délit. Parce que du coup, il venait de New Delhi, quoi, en Inde. Tout simplement. Voilà, c'est une petite. Voilà, vous pourrez dire à vos parents et tout, ceux qui regardent. C'est. Voilà, petite anecdote. Il était comme dans un obstacle, le gars. C'est pour ça, en fait. C'est exactement pour ça. Ouais. Oh! Cette punaise là. Je suis en limousine, les gars. Je peux vous dire que la limousine. Alune, si tu trouves, tu me dis ça vient d'où? T'es trop fort. Regardez ce qu'il fait, hein. Je vais vous montrer ce qu'il fait, les gars. Il fait ça, tout simplement. Aline, dis-moi, ça vient de quelle région de France, voilà, l'expression que je vais te dire là. Et là, j'ai rattrapé... ouais, dis-moi. Alors, l'expression, c'est... Oh, il a triché peu cher. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Marseille, ça, ouais. Mais non, mais là, ça, t'as pas le droit de jouer, toi. Bah, mais je savais, abuse pas. Mais là, comment t'es... La salle, il sait tout, je ne dois pas lui dire. Ok, je vais t'en donner une autre. Est-ce que tu sais, ça vient d'où? L'expression. Hein? Bah, on sait, il jouait avec nous. Hein? Ça vient de chez FK Mod. Mais oui! Enin, c'est le Nord. Je pense que voilà. Tu veux dire, effectivement. Alors, j'espère que c'est bien imité. Hein. C'est qui là? Je sais pas, moi je suis en limousine, les gars, ça va être terrible de passer avec. La salle, par contre, t'es en quoi là? Parce qu'on n'arrive pas à te rattraper. En avion. Bah, t'es devant quoi. Ah, effectivement, il y a Kojak dans l'activité, les gars. T'avais raison. Oui, il est là. Kojak 225. Regardez, le gars stationnaire, il est là encore. Mais qui? Et en plus, il est devant moi, genre. Oh punaise, le caddie, les gars. Eh, comment je suis passé? Eh, j'ai plus de roues.
J'ai plus de roues, les gars, devant. J'ai plus de roues. Ah non, en fait, je les ai, mais mon véhicule est dans le sol. Ah ouais. Mais c'est bon. Moi, je passe par là. Il y en a qui passent par la gauche, il y en a qui passent par la droite, ça dépend des joueurs, quoi. Aline, dis-moi, c'est dans quelle région ça? Je mange une chocolatine. Alors là. Waouh, tu sais pas? Charlie, oh, la chocolaterie, non? Non, mais il sait pas. La scène, ta vie, il sait pas, Aline. Attends. C'est dans la région plus bordelaise. Ah, j'ai bugué, les gars. Ouais, je suis plus avec vous. Non, on va faire comme tout le monde, hein, les gars. Hein, la salle. Tiens, la salle, je viens de te voir aussi. Ah, les gars, je suis passé le premier, les gars. Hein. Ah, t'as bugué, je crois. je suis pas le premier. Alors, wow. Pourquoi je suis là, Anuin, avec vous, hein? Parce que le jour, Karmit s'amusait à me pousser pendant que j'étais en caddie, à pas me laisser passer. Ah ouais, d'accord, elle a fait ça en face-to-face, quoi. Eh bah, Karmit, ouais. Justement, je le dis dans ta vidéo, et après, il me dira pourquoi, mais plusieurs fois, dans plusieurs activités, je fais focus par lui, notamment dans Scramjet VSRPG dans la salle, il a fait que de me tuer, il me tuait que moi. Alors est-ce qu'il, je sais pas s'il est, il est plutôt fort, je sais pas, mais il faisait que de me tuer. Le mec, il était chaud. Mais c'est vrai que... Et je puis dire. Mais c'est pas grave, on est là, on est chaud. Ok, les gars, je suis en avion. Et les gars, ouais, j'ai le caddie, stationnaire. J'ai le caddie, s'il te plaît, le caddie. Les gars, en stationnaire, c'est qui? Je pensais que c'était lui parce que je le voyais. Mais bon, on aimerait bien voir son nom. Je sais pas exactement. Ah, je sais pas, mais il se reconnaîtra. Mais le gars en vol stationnaire, c'est quand même incroyable. Je suis deuxième, les gars. T'as quoi comme véhicule, Aline, là? Le bus du festival. Le bus du festival. Ah, mais t'as passé le caddie et tout? Ouais. Là, je suis en bus. Ouais, je suis passé au-dessus avec le caddie. Il doit me rester pas mal de véhicules, hein. Non, mais non. Mais c'est Karmit, la salle, en plus. Ouais. Oh là là. Bah, tu vois, je t'avais dit. Vas-y, what the fuck, il m'a dégommé ma course, c'est bon. Oh non. Là, je peux rien faire. Alors, les gars, il m'a dégommé ma course. Hein. Voilà. Bon, bah, voilà. Oh, mais c'est bon. Il y en a un deuxième derrière. Ah, c'est bon, je suis passé. Le caddie, les gars, pour faire un demi-tour avec, c'est impossible. Je suis dégoûté, voilà, je suis deuxième, je réussis à rattraper et tout, et bam, le gars il me pousse dessus, il croit que c'est un face-to-face. Alors que c'est et une bah méga voilà. Rampe, le but c'est de s'amuser. Hop là, c'est bon. Oh là 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 là. Oh là là. Et bah on passe même pas ici, figurez-vous. Non. Et bah merci Karmit, hein. Merci Karmit, je suis sixième, les gars, j'étais deuxième. Okay. Oh là là. C'est bien. Moi, tu sais que le caddie, les gars, même tout seul, je galère. Hein. Attends. J'aimerais bien passer. Je pense qu'à mon avis. Je suis pas revenu là. Oh my god. Oh my god. Non, il a réussi à reculer en bus. Moi, j'arrive pas, hein. Je suis bloqué dans des trucs. Je sais pas comment il a fait. Je suis bloqué également, hein, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas pour faire le gars, mais vraiment, Karmit m'a déstabilisé et il a. Voilà, il m'a perturbé. Du coup, je fais n'importe quoi. Et je suis 8ème, les gars. J'étais 2ème. Okay. Et. T'es combien de 8ème là? Bah, 8ème. Bah, il m'a perturbé en fait. Là, je sais plus quoi faire en fait. Je fais rien. Reprends tes esprits, Lynn. Vas-y, je suis là. Vas-y, reprends tes esprits. Ah mais ça m'énerve, tu vois, je fais une course parfaite, une méga rampe parfaite, et là, il y a un gars qui vient, qui te fout dessus comme ça. Ouais, je comprends, c'est des aléas de la vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras à ce moment-là, Nuit. Parce que tu sais, no pain, no gain, tu sais que tu peux le faire. Tu sais, dans la vie, il y a ni méchant ni gentil, et si maman, elle est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie, je veux dire, au bout d'un moment, papy, mamie. Elle a peut-être peur d'être papy aussi. Hein. Peut-être peur d'être papy, et si t'es un singe, je comprends, parce qu'au final, un singe, au final, c'est quoi la vraie vérité d'un singe? C'est que c'était nous, et nous, c'est qui? Nous sommes des singes. Je comprends. Donc, Anuin... Mais si, c'est des phrases de... Tu vois pas, il y a des gens, je te jure... Et d'ailleurs, les gars, je vous jure, c'est vrai. J'ai des gens que je connais, que j'ai en ami sur Snapchat. Faut vraiment arrêter de mettre des citations, les gars, hein, vraiment. Hein. Y a des mecs qui mettent des... Là, je pousse un coup de gueule, Anuin, je vais dire les choses. D'accord? Je vais dire les choses. Les gens qui mettent des citations, mais qui les respectent pas. Alors, par exemple, des citations. Moi, j'ai un gars, là, sur Snap, je m'en fous, je vais pas dire son nom. Mais il se reconnaîtra.
qui met des citations, les amis, les vraies valeurs, machin, nanan, alors que le mec, il parle dans le dos et tout. Eh, au bout d'un moment, faut que tu te regardes dans un miroir avant de parler. Mais du coup, arrêtez de mettre des... Non, mais les citations, là, j'en peux plus. C'est, ça motive pas d'avoir des citations, c'est des actes qu'on veut, c'est pas des citations. On n'a pas gagné la guerre avec des citations, sais, bordel. Je suis sixième et ça me perturbe. Ah, par contre, je crois qu'il y a tout le monde maintenant qui ne fait plus le looping, les gars. Plus, hein, disons qu'avec les véhicules qu'on a... Avec le bus, c'est compliqué. Okay. Olé. Voilà, par contre. Il y a des gens qui font des marches arrière avec le bus, t'as raison, la salle. Ben oui. Non, il va pas me bloquer, lui. Moi, je suis en caddie du toit seulement. Au bout d'un moment, Anune, est-ce que la vraie question que j'ai envie de te poser, Anune, c'est que est-ce que ça serait pas au final la faute du chameau Ou du chamois. Du chamois. La peau de chamois. Est-ce que ça serait pas de sa faute? Attends, parce que je suis bloqué dans un truc là. Wow. Je fais des trucs. Je suis passé. À cause de quelqu'un, encore une fois. Non! Comment est-ce possible? Je n'y crois pas. Petit à petit, je vais y aller. J'ai réussi à passer en caddie, les gars, après une demi-heure. Hein. C'est incroyable. Waouh! Allez, et retourne-toi. Allez, retourne-toi. Ouais. Retourne-toi, les gars. Voilà. Je pense que moi je suis bloqué. Ah, il y a quelqu'un avec moi, je sais pas c'est qui. Il va peut-être me pousser. Allez, pousse-moi. Vas-y, pousse. Pousse, je pousse, Anine, vas-y, je pousse. Allez, vas-y, pousse. Ouais, ah! Je vais devoir respawn, les gars, je crois. Une, vas-y. Moi, je respawn pas, je bouge pas. Voilà, on m'a débloqué. C'est bon, Anuine, j'ai poussé, Anuine. Je me suis yèche dessus. Tu m'as dit de pousser. Attends, Edel. Sumata, Anuine. Alors, on a bloqué carrément le truc de la course. Les gars, j'ai explosé devant le point, mais je vous assure que, genre, j'étais à 2 cm. Bah, moi j'étais en avion, la salle, et je me suis mangé un anneau juste avant le point. Mais bah, genre vraiment, c'est pareil. Hein, les gars, vous vous rendez compte quand même que une fin, voilà quoi. Une fin, vraiment. Oh, le bus il passe pas, le bus du festival là. Bon, bah, je vais essayer d'aller en mode tout doux. Tout doux les loups? Ou tout doux quand tu allumes Netflix. Tout doux. Tout doux. C'est vrai, enfin, ça fait ça, non? Moi, ouais. J'entends ça, perso, j'entends tout doux, hein. Wow, tous les trucs de plus, les gars. Après, moi, j'ai un gars que je connais, il entend Toulouse. Lui, alors, rien, je sais pas, il faut qu'il soit ah ouais, raison. Ah, voir. Genre Toulouse. Wow, après, les gars, c'est quoi ça, tous les obstacles ici? Okay. Oh, Sumata lui hein. Wow. Sumata lui. Ben, je vais réussir à passer, vous pensez, les gars. Le rat est mort. La salle, regarde dessus, la salle. La salle, waouh, la salle, Je vais pas dans la salle. Voilà, ça regarde. Moi, j'ai spawn. Waouh. Voilà, ça. Moi, j'ai pierre. Mais commencez pas. Ouais, le rat, il est mort. Waouh. Mais est-ce que toi, Aline, le rat, il est mort? Attends, parce que là.
Aïe 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 aïe. Allez. Passer en bus de festival quand même. Valide. Moi je suis encore bloqué en bus hein, donc Bus du festival ? Je pense que ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est horrible là. Je vais péter les plombs. Et j'ai réussi parce que je pousse à l'état. Non mais c'est en fait c'est vraiment les gars, depuis qu'on m'a poussé, là j'étais deuxième depuis qu'on m'a poussé. En fait, en plus j'étais tranquille, donc j'aurais pu faire la méga ronde tranquille parce qu'il y avait personne devant moi, tu vois. C'est quoi Elie, j'ai un truc à te proposer moi. Vide ton cœur tout de suite là, vide ton cœur, dis tout ce que tu penses. Vas-y. J'ai vidé mon cœur. Dis-moi, j'ai vidé mon cœur. Dis-moi le premier mot. Non, vas-y. Le premier mot qui te vient en tête. Non, mais j'ai quitté. C'est bon. Bah ouais. Oh le rage quit. Ouais, il a rage quit. Au bout d'un moment, les gars, tu fais les choses bien. On dégomme ta course. Après, bam. Il y a 50 000 personnes qui te poussent. T'es en bus. Avec 20 bus. Tu peux pas. Pleure pas. Non, pleure pas, Nune. Pleure pas. Ouais, c'est bon. Je vais désinstaller le jeu, les gars. Non, pleure pas, Annie, s'il te plaît, ne fais pas. Aussi. Non, évite de pleurer. Calme-toi, je vais te retenir, je te retiens. Tape pas dans le mur, Annie. Je te retiens. Comment je fais pour désinstaller ce jeu? Tu fais clic droit, tu appuies sur PS. Comment mais je le, fais, là, pas, hein, le fais pas, le fais pas. T'appuies PS, tu vas sur le jeu, ouais. T'appuies sur option, désinstaller. Mais le fais pas, hein, le fais pas. Hein. Je vais pas te dire comment on fait. C'est bon. T'as désinstallé le jeu. En vrai, je te jure, Nuna, c'est pas content, hein, mais...